Bonjour tout le monde, c'est Némi Koupa et aujourd'hui on est dans Jughead, dans Super Smash Saga 3DS. Donc on va devoir attaquer des Goombas, parce que c'est l'alliance Goomba. Haha, et on commence tout de suite, parce que j'ai la flemme d'attendre. Oh putain là, une tour Goomba! On dirait Mario Party Island Tour. Oui j'ai le jeu, c'est pour ça que je dis ça. Peut-être que le jeu sera en let's play, tiens. Ah oh putain déjà! Putain c'était rapide! J'avais même pas compris qu'on était encore... Attends. Ah d'accord. Ça va être facile alors. Je comprends pas comment la Koopalings a réussi à mourir. Enfin Morton je comprends mais les autres... Je comprends pas trop. Ah bah attends et oh... Vu que c'est le dernier tour, on... Ça leur fait mal. Oh! Oh! Il est mort de toute façon, alors... voilà! Merde! Ouais! Lico Mascas, venez à bout de 1500 ennemis. Putain, déjà c'est beaucoup, hein, 1500. Allez, Tortue Jet en kit. Ah, une cinémate. Je suis sûr qu'il était par ici. Enfin, presque sûr. Ah, c'est ça, regardez, il est là! Ah, ils n'ont plus aussi fringants qu'autrefois. Ouais, avant, il volait, il faisait des bips! Des bips! Je suis allé jeter un œil à la salle des machines. Et alors, c'est grave, docteur? Ah, le gamin. C'est une catastrophe! Mais on devrait réussir à rentrer chez nous, ou alors quasiment. Super, qu'est-ce qu'on attend? Un instant! Différentes pièces du Tortue Jet ont été éparpillées aux quatre coins du royaume. Surtout d'un décollage dans l'état où il est, le vol risque d'être douloureusement court. Donc, il nous faudrait des matériaux robustes pour étayer sa structure. Ok, pas de soucis, on va ratisser la zone et de trouver tout ça. En parlant de robuste, il y en a des monstres qui ont l'air mastoc là dehors. Parfait, on va tous les exploser et les détrousser par-dessus le marché. Le temps du jet volera à nous, quoi qu'il en coûte. Hi, tu es le malin gardé. Merci. En route, mauvaise troupe. C'est sûr qu'on a des mauvaises troupes. Oh putain la... Oh, punchline. Et je viens de me réveiller. Enfin, punchline de merde, mais je viens de me réveiller et j'en lance quand même, hein. Oui, car je sais, je peux faire... J'arrive à faire des punchlines parfois. Mais faut vraiment que... On me dit un truc ou que je lis un truc vraiment qui est de la merde et que je peux en faire une punchline. Ah, je suis chaud dès le matin. Oui, car quand je tourne la vidéo, il est... Attendez, je regarde. 11h43. Enfin, je viens de me réveiller il y a 1 heure, donc à 10h. Donc à 10h, ouais. Meurs. Ah, c'est que le premier. Je croyais que c'était le deuxième. Ouais. Ah, je pense qu'on va gagner quelques potes là. Ah! Précision augmentée, mon cul. Enfin, un peu quand même, mais ouais, bof.
Bon, allez, toi, t'es mort. Allez, casse-toi. Non, Larry! Ne meurs pas! Putain, en vrai, Wendy, c'est limite un bouclier, hein. Bleu! Troll! Bon bah, ah oui, ça fait mal. Hein. Oh! Ça, c'est bien. Oh! Non, je garde encore trois autres. Hein. Faut quand même pas déconner. Ça sert à quoi? Ils ont même pas gagné. Ah! Par contre, ouais, lui, il avait perdu. Ah! Bon, il m'emmerde là. Hein. Il me fait chier, lui. Bon, bah, ils ont regagné encore. Hein. Why not? Merde. Ah lui par contre il a beaucoup de précision ce bâtard. Ah non c'est bon il est mort. Regarde des nouveaux... Ah non toujours pas de nouveaux ennemis, dommage. Dommage. Il n'y a rien qui pourrait nous servir par ici. Aïe, c'est pas de bol. Et vous les gars, vous avez trouvé quelque chose? De la neige, de la glace, c'est tout. Ok, on reprend les recherches. Alors c'est ça le Goomba qui a mis la pâte à Morton et Wendy. Oh. T'as oublié Larry et Iggy. La chose est simple, pas le Goomba, mon fidèle sbire. Mon sprite de génie est sans effet sur lui. Il doit posséder une étincelle d'intelligence dans son gros crâne vide. Poste blague, je les connais moi les Goombas. Rien que des mille, pas un pour rattraper l'autre. Je m'en vais t'en faire de la purée de champignons que ça va pas traîner. Je te laisse à ta répugnante tambouille. J'ai encore quelques petites touches ornementales à apporter à mon château tout neuf. Une confiture de tortue jet à la bouillie de Goomba pour Maître Grakowitz. Une. Ça te va au bout. Quelle que soit l'issue, mon sac n'a pas encore dit son dernier tour. Oh mince, oh yes, un fer cryo. Ah, on peut toujours pas attaquer. Oh, le gros bout, voilà l'ennemi que j'attendais le plus. Bon, par quoi? Oh, ah oui, ah, d'accord. Ouais, vas-y, on lui donne à lui. Hein. Allez, Wendy niveau 28. Et Morton niveau 26. Donc en tout notre formation est niveau 28. Bon. Allez, on va le faire du plus petit au plus gros level. Comme ça au moins, ça va être pas mal. Enfin, j'espère. Enfin, c'est sûr même. Ah oui, on a mis cher au bout là-bas. Putain, si on a tué grâce à Wendy. Il est seul au monde. Oh, un bruit insecte. Des bouts noirs. Bon, moi, c'est bien, il n'y a pas de racisme, c'est Nintendo. Il y a des bouts qui sont blancs et des noirs. Il n'y a pas de racisme, c'est bien. Bon, il manque juste les bouts métis, mais ça, c'est un peu plus compliqué. Enfin, quoique ça sera des bouts orange. Quoique, ouais. Moi, je crois que ça sera des bouts orange. Mais aussi, pour ceux qui ne savent pas d'où viennent les bouts noirs, et ben, ils étaient à la base dans Super Mario Galaxy 1, dans le premier Mario Galaxy.
Et donc, genre, on pouvait attraper leur langue et après on les lance sur un boss de pierre. Je crois que c'est celui de pierre. Enfin, oui, je pense. Mais vu que quand j'aurai du meilleur matériel ou même j'aurai un meilleur ordinateur et donc tout simplement j'arriverai à télécharger Dolphin et donc plein de jeux et tout, je vous prévois Mario Sunshine, Galaxy 1 et Galaxy 2, malgré que les jeux sur ma Wii. Sur ma Wii. Enfin, j'ai que Galaxy 2, mais. Chut. Ah, lui, c'est un très bon bout. Parce que lui, l'attaque qu'il nous fait, ça fait tellement mal. D'ailleurs, s'il fait son attaque, je vais même le laisser faire. Juste pour vous montrer que ça fait mal. Mais il ne la fait pas parce que c'est des crevards. Et ils veulent pas qu'on la voie. Ah yes, on va l'avoir, on a mis tant mieux, c'était ce que je souhaitais d'ailleurs. Bon bah on n'a utilisé aucun PC, donc là on va se faire plaisir. Ça ne sert à rien. Là c'est cool, très cool même. Faut juste que Morton ne meure pas comme une petite merde. Mais ça, c'est le cas déjà. Montrez ce que vous savez faire! Arrête Morton et le Goomba. Bon allez fuck. Montrez ce que vous savez faire! Allez meurs. Oh! C'est quoi des unités de vol contre des unités de tir, n'est-ce pas? Ah. Allez, meurs. Faut que je me mouche après ce combat. Ou après la vidéo, ça dépend. Ouais, non, après le combat, je vais faire une petite ellipse et je me mouche. Yes, il est fini. Bah, après que. Voilà quoi, t'as compris. Je vais vous. De toute façon, il y aura l'ellipse après, donc t'auras compris. Ah, mais on a gagné pas mal de potes, hein. Là-bas. Ouah, vous avez ramassé tout ça pour moi? Mais pourquoi? Pour me remercier de partager avec vous mes plus jolis verres? Oh, ou parce que vous êtes fan de mon style? Peut-être un chevet décontracté, tout ça? Oh, ça y est, vous espérez gagner mon amitié en dépit de notre différence hiérarchique. Non, non, c'est ça, hein. J'ai vu juste ou pas? Le vent? Eh ben, qu'est-ce qu'ils ont? Non mais revenez quoi! Ah, enfin il a gagné une XP. Oh, débrouillard sec. Maxibou. Alors lui, on le met dans l'équipe directe. Kamek blanc. C'est pour augmenter la vitesse. Ah, pas mal, mais bof. Fantôme noir. Oui, enfin, c'est pas trop un fantôme, hein. Ce bout d'une espèce rare, susceptible d'exploser à tout moment. Ouais, le cauchemar des glaphites. Ah, ça me fait vraiment. J'ai vraiment un doute si c'est pas les glaphix qu'on a. Ouais, j'ai un doute. Donc, ouais, on va. Ah bah, ouais, justement, on va donner ça au gros bout. Et on va le mettre dans l'équipe. Et après, je fais une petite ellipse. Eh ben, on va dégager. Bah, soyez pas choqués, hein, c'est le plus nul. Donc, à tout de suite, parce que là, j'ai le nez enrhumé. Je suis. Voilà. Je pense que vous aurez compris. Allez, on y va pour le combat. Et merde, j'en ai 4. Voilà, regardez l'attaque du bout. Ça fait tellement mal. Yeah! 10% en plus d'XP, trop bien. Ah merde. Toi, ça leur fait tellement mal. Ah merde.
Je suis vraiment malade. Peut-être pour ça que j'ai pas été en cours aujourd'hui. Oui, on est mercredi. 14 mars. Ah bah tiens, d'ailleurs, dans un mois, c'est mon anniversaire. Dans un mois pile. Donc si vous êtes intelligent, vous aurez compris que je suis né le 14 avril. D'ailleurs, je l'ai dit dans le deuxième Lémi Info. Je crois. Je pense. J'ai un doute. C'est un peu ennuyant comme combat. Un peu beaucoup d'ailleurs. Ah bah putain, enfin! C'était long et chiant. Ah bah allez, on va gagner un coup. Allez, allez, Nice. Pourquoi il y en a que deux, comme deux par hasard? Peut-être parce que c'est les plus chiantes. À moins que... Bah oui, bah bien sûr. Ah putain, mon doigt. Bon allez. T'es mort. Yeah! Alors, combien d'ennemis va-t-on gagner? Un seul. C'est un peu nul, mais... Ok. Très bien, avec tout ça, ça devrait suffire. Ah bah, c'était très court ton dialogue à toi. Masse lance. Ouais, donc, ouais... Ok, donc toi t'es niveau 26, très bien. Et puis allez, on va donner ça. D'ailleurs, toi je vais te dégager après. Attendez, je vais le dégager. Je vais dégager un pote là, enfin un ex-pote maintenant. Allez, toi tu te casses. Paragumba, cadeau d'adieu, point d'XP, ouais, très bien. Et puis ça, on le donne à lui. Voilà, formation d'attaquant. Voilà. Et puis je pense qu'après ça, eh ben, on va arrêter la vidéo. À moins qu'on refera un autre niveau. Oh putain de merde. Franchement, je sais pas si on fera un autre niveau après. Allez. Ah! Bleh! Oh! Les deux sont dégagés en même temps, trop... Enfin non, pas lui, parce que l'autre était dégagé avant, mais ça aurait été stylé si les deux se dégagent en même temps. Ah, j'ai mal au pied. Ah! Ah! Et j'ai mal au dos. Ah, ça craque. Ah. Oui, je fais des bruits chelouilles alors. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Alors.
Bleh! Ah bah en plus on a touché les trois alors. Ah oui c'est vrai, c'est Morton qui est mort. Je me disais c'est qui le. Pourquoi on est que 7? Mais oui, c'est Morton qui est mort. Tricheur. Yes, ça sert à rien. Bon bah c'est bon, j'ai plus rien maintenant pour bloquer. C'est la merde. Choqué, il est même pas mort, Morton. Oh mon dieu, je suis chaud. Je suis choqué. Non mais, hé. Oh. Faut pas déconner, là. Morton est resté en vie. C'est un choc international. Oh, un casque. Eh, ça peut nous servir, ce truc-là. Oui, peut-être. Ah, niveau 27. Là, il commence à... Ouais, lui, il est bientôt niveau 30. Boxeur. Oui, car en dessous du boxeur, c'est un bout. Pour ceux qui sont cons et qui n'ont jamais rien compris du jeu. Ah, le sbire. Oh, un poisac doré. Et là, le grand retour du tortue jet. Ouais, je pense qu'on fera lui au prochain épisode. Mais d'ailleurs, avant de se quitter. Eh ben, allez, t'es niveau 27 maintenant, le bout. Et quelqu'un va augmenter de niveau, mais... ouais, pas encore. Bah vas-y, toi tu augmentes un peu ton XP, donc et ben, ouais, je pense qu'on va s'en arrêter là pour aujourd'hui, donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter, partager, et surtout à vous abonner sur ce, c'était les Mikoupa, et puis moi je vous dis salut tout le monde.